les choix que nous faisons, les réformes que nous opérons, ou du moins ce que nous initions, sont de nature à changer l'ordre des choses au Bénin. Presque toutes. Monsieur le Président, les déflactions que le gouvernement opère sur les salaires et qui correspondent aux jours de grève ne sont pas une sanction. La défalcation n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. Contrairement à ce qu'on peut penser, choisir d'aller en grève, c'est un acte de dignité, c'est un acte de responsabilité. Et être digne, c'est ne pas réclamer d'être payé alors qu'on a fait grève, alors qu'on n'a pas travaillé. Je veux que mes concitoyens soient des hommes dignes, qui méritent le respect dans la discussion, la négociation, qui posent des actes et veuillent bien qu'on mesure la gravité de leur acte pour que l'on comprenne quelle est la cause qu'ils défendent. S'il faut faire grève et percevoir le salaire correspondant au jour de grève, est-ce que ça n'enlève pas le sérieux à la cause qu'on défend? Celui qui refuse de travailler, renonce au paiement des jours de grève, il donne de la valeur à la cause qu'il défend. Sinon, si on peut arrêter le travail pour une cause et avoir son salaire, on peut aller en grève pour n'importe quoi. Même si la cause n'est pas sérieuse, même si la cause n'est pas... Donc, nous avons besoin également de donner à la grève toute sa valeur. Il faut donner à la grève, si l'on doit aller en grève, si le droit de grève doit être exercé, il faut lui donner toute sa grandeur. Ne pas aller au travail, prendre le risque de renoncer, de ne pas avoir un salaire, parce que la cause qu'on défend nous paraît si juste, si majeure, si fondamentale, qu'on va jusqu'à cette limite, jusqu'à cette extrémité. Et c'est pour ça que si nous œuvrons à restaurer dans le pays les valeurs, nous aurions tort de ne pas défalquer les jours de grève. Cher pasteur, votre rôle, c'est également celui-là, de mettre vos fidèles devant leurs responsabilités, de leur enseigner la dignité, l'esprit de responsabilité. Mais j'ai pris bonne note de vos conseils. Je voudrais vous rassurer, chers amis, de ce que la sortie de crise n'est pas loin, parce que nous continuons d'échanger avec les concernés.